en plein centre de Nice, l'avenue Félix Faure, en hommage à un homme politique né en 1847. Après avoir été député de la Seine inférieure, ce riche négociant entame alors une carrière politique bien chargée. Il fait partie de 5 gouvernements différents, notamment comme secrétaire d'État aux colonies, mais c'est en 1895 que son heure est vraiment venue, puisqu'il devient président de la République. Son mandat est essentiellement marqué par la conquête de Madagascar, mais aussi et surtout par les débuts de l'affaire Dreyfus. C'est au cours de ses nombreux voyages qu'il découvre la vie mondaine azuréenne et surtout ses femmes. C'est d'ailleurs dans les bras de l'une d'entre elles qu'il finit sa vie en 1899.